Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui. Enfin, les T12 sont là. Bon, alors, comme je vous l'avais dit, nouveau bâtiment, nouveaux items, et alors ça, par contre, je l'avais pas dit. Les plasmas, on en a même pas besoin pour l'instant. Donc, à voir. On va aller voir. Donc, on est sur le PTR. On nous a envoyé un petit mail système de compensation pour pouvoir tester tout ça. Donc, Crystal Splinter and Crystal Essence. On des speed up, ça, j'en avais. Donc, on va aller se mettre en talon écho parce qu'on sait jamais trop ce qui va se passer. On va activer le boost un petit coup aussi, histoire comme ça que ça vous donne plus ou moins les recherches, comme si on va les faire dans le jeu. Parce que, bon, sur le jeu, on va pas les cramer des speed up pour rien. Donc, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Et on va devoir accélérer un petit peu tout ça parce que pour l'instant, on est bloqué. Donc, on commence. Là, c'est quoi que tu nous apportes? Non, sérieux, Marche Speed. Ok. Marche Speed, ok. Bon. Ok, on augmente Marche Speed. On va faire ça. Donc, le premier, c'est Marche Speed. On va voir. Donc, 5-1, 5-1. Ça va, pour l'instant, c'est pas énorme. On va aller faire les 10 niveaux d'un coup. De toute façon, on va aller tout faire direct. On va faire le maximum qu'on peut. Alors, là, ça se débloque. Ok. Et là, on est troupe défense. Ok. On va aller voir si on peut aller au moins débloquer quelque chose. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. On continue. 13, 3. Est-ce qu'on a déjà un peu augmenté assez vite? Alors, il faut le speed niveau 10. C'est bien ce que je me disais. Il faut faire les prérequis pour pouvoir débloquer absolument tout. Donc, emmène-moi au niveau 10. Allez, bébé. Niveau 10. Donc, niveau 10, 10%. Et là, on peut toujours pas aller débloquer l'infanterie. Tu vas me dire qu'on va devoir débloquer les hunters en premier? J'espère pas. Vu comme ça, ça s'annonce. Alors, niveau 5, maxé. Donc, ils ont pas tous 10 niveaux. Déjà, ça, c'est cool. Par contre, on a déjà perdu pas mal de cristal essence, cristal splinter. Vous avez vu que ça use beaucoup quand même. Alors, les niveaux 5 sont faits. Et là, on débloque, on passe Hunter Attack, Rider Infanterie. Alors, on va faire ça rapide en biocaps. Ça va aller plus vite. Alors, combien de niveaux ici aussi? Ça va monter. On monte. On monte au niveau 10. Ok, donc on est parti. Allez, niveau 10 ici aussi. On va tout faire en biocaps, ça va aller plus vite. Si on a assez de cristaux, parce que les cristaux, ça a l'air d'en demander pas mal. Donc les recherches, c'est quoi? 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure 38. Ok, 10 niveaux. Ensuite, marche speed, il nous augmente encore la marche. Ok, on est parti. 5 niveaux, qu'est-ce que tu vas nous faire? 4, 5, eh non, tu vas nous emmener jusqu'au niveau 10. Eh ouais, 10 niveaux, ok. Donc, ensuite, on débloque infanterie-défense. On est parti, est-ce qu'on va pouvoir finir l'infanterie-défense? On va être juste en niveau cristaux. Niveau cristaux, ça va être tendu. Alors, 7 et 2. Ok. On est parti, 7, 2, 8, 2, 9, 10, oh, 11, 11, 3 à la fin. Ok, donc maintenant on débloque Unlock Chef Skill. Donc là il nous en demande 74 et 18. Ok. Et là j'ai plus assez. Et là j'ai plus assez. Alors, chef skill, unlock chef skill, emergency recruitment. C'est ça ton chef skill et on peut pas bouger. On peut toujours pas bouger, il nous en faut plus. Donc, on a débloqué un skill. Immediately 480 T12. Donc là, je suis censé avoir entraîné mes premiers T12. On a nos premiers T12, les gars. On a nos premiers T...
Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. On a nos premiers T12, mais on peut pas en entraîner. Donc, voyons voir à quoi ça ressemble. C'est magnifique T12. On peut pas cliquer dessus, c'est dommage. Crystal Crossbowman, Crystal Rider et Crystal Vanguard. Ok. Bon, et on peut pas les entraîner, donc parce qu'il faut que je débloque le skill. Donc, voyons voir. Où est-ce qu'on le débloque? Et le prochain niveau, il va nous apporter quoi? Il n'y a pas beaucoup d'infos sur le PTR. Hein. On ne connaît pas ce que ça va nous apporter au maximum. Hop, un petit screenshot pour vous montrer. Ok. Bon, bah, on a fait le tour maintenant de ce qu'on peut faire. Ils vont sûrement nous renvoyer d'autres mails système. Voyant qu'on n'a pas assez. Donc, voilà. Pour l'instant, on est là. On a fait les recherches. On a débloqué. Donc, voilà. Vous savez qu'il va falloir. Donc, on est à 220 cristaux et 7, et ouais, 800, 230 cristaux et 860 essence pour pouvoir débloquer le premier. Ah, il nous en reste 35 et 75, ça fait pas énorme. Donc le premier émergency recrutement. Donc voilà, pas trop mal. Ça va nous coûter un petit. Qu'est-ce qu'on a à gagner ici? On n'a rien à gagner. Tu vas nous donner quoi? Rien. Du plasma. Sérieusement, il n'y a rien d'autre que du plasma. Oh non, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Il n'y a que du plasma. Hop, pas de petit event qui va avec. On n'a rien. Non. Bon, bah voilà. T12. Les T12 sont là. Enfin, sont là. Sont pas encore là. Et puis, je pense que. Alors, you must finish recherche prérequis. Ok, et on peut pas voir, on peut pas se déplacer. Vous le voyez pas les... si vous le voyez. J'essaye de me déplacer, on peut pas se déplacer. Donc, on va voir ce qui se passe après. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est qu'un aperçu. Et puis, on en verra plus dès qu'on aura. Dès qu'on va. On va les réclamer. On va aller réclamer des items encore. Avec notre nouveau bâtiment. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!